beaucoup d'entre nous, c'est la mode ou le photojournalisme dont la grand-messe bat son plein à Perpignan. Ce sont aussi de petits artisans qui font les frais de la révolution numérique. On fait en effet de moins en moins appel à ces portraitistes professionnels. Dans l'Hérault, depuis le début de l'année, par exemple, 11 artisans photo ont tiré le rideau. Frédéric Liop et Guy Spica ont rencontré un de ces artisans. Il était en plein travail. Exposer et organiser un concours du plus beau sourire d'enfant dans un grand magasin, c'est la solution que René Ona a trouvée pour renouer avec le public. Un public aujourd'hui habitué à l'instantané qui s'est éloigné du portrait d'art. Alors, pour l'y ramener, René a su harmoniser le charme d'antan avec l'outil numérique. Je me suis aperçu que je changeais simplement de support. Donc, il y a une souplesse, il y a une rapidité, il y a une créativité. C'est-à-dire que ça vous permet, moi qui étais nul en retouche photo argentique, de faire ce type de photo, c'est-à-dire arriver à mettre trois enfants, convertir un noir et blanc en couleur sans aucun problème. Tout ça, c'est ce que m'apporte le numérique, ce que l'argentique ne pouvait pas m'apporter. Mais l'outil seul ne suffit pas. Oui, avec un grand sourire. Avec les yeux, tu souris toujours, hein? Oui, il est bon le petit bout de pain, Loane. Allez bébé. Le contact, la mise en confiance, l'œil du photographe, tout cela, René Ona l'a cultivé patiemment pendant 30 ans et ça se voit. C'est plus difficile les enfants? Les enfants, non, parce que c'est naturel et je crois que c'est à nous de choper les moments là. Hop. C'est comme les mariés. Les mariés, il ne faut pas les diriger. Si on commence à dire à un marié, mets-toi comme ça, fais comme ci, embrasse-la dans le cou, patati, patala, automatiquement, ce ne sont pas des comédiens. Et ils vont vous faire ça très mal. Et vous allez avoir ces fameuses photos avec des pots de fleurs. Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Soleil qu'on fait prisonnier, pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tricoté. En noir et blanc, au 50e, ça fait l'effet sur la vapeur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané. Bah bougeons plus. Les belles heures des beaux autrefois. Est-ce que c'est beau la photographie? On choisit l'instant et l'endroit. Pas raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en titrant à toi. En noir et blanc, on ne voit pas comme ça fait de l'effet sur l'amateur. Mais qu'une main ouvre l'album, tout se retrouve en couleur. Est-ce que c'est beau la photographie? Bougeons plus, l'amour va passer. 1, 2, 3, c'est la plus jolie. Agrandi, vous l'encadrerez. Ne bougeons plus. Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour l'éternité. Les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Est-ce que c'est beau la photographie? Le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tricoté. En noir et blanc, au 50e, ça fait l'effet sur la
vapeur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Est-ce que c'est beau, la photographie? Bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie par sa petite gueule sur l'instantané. Bah bougeons plus. On sourit pour l'éternité.